Besoin d'impression publicitaire de petits et grands formats Ne perdez plus votre temps à chercher la meilleure offre, comme des milliers de clients. Connectez-vous sur Imprimerie Européenne, la référence qualité-prix de l'impression publicitaire. Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler des fintech. Ce sont les startups qui sont en passe de révolutionner le monde bancaire grâce à l'intelligence artificielle et au blockchain. Mais concrètement, que vont-elles changer dans notre rapport à l'argent et sur nos frais bancaires Et surtout, quelles seront aussi les conséquences sur l'emploi dans le secteur On va en débattre avec Louis de Frassart, qui est l'organisateur de Bordeaux FinTech, qui se déroule les 10 et 11 octobre à Bordeaux, à la Cité du Vin, et avec Jean-Yves Dupuis, qui est le président du comité des banques de Nouvelle-Aquitaine, qui est le patron régional de la Société Générale. Alors Louis de Froissart, expliquez-nous concrètement justement qu'est-ce que c'est les FinTech aujourd'hui et en quoi justement ça influence au quotidien notre rapport avec l'argent et avec les banques. Je prends un exemple qui, qui va tout de suite parler à, à l'épargnant, au consommateurs que nous sommes tous. C'est le virement immédiat. Euh, Jusqu'à présent, quand on fait un virement entre différentes personnes, cela prend euh, 24-48 heures, parfois 72 heures. Un des éléments euh, sous la pression de, de cette nouvelle technologie qui arrive, c'est le, le, le virement immédiat. Aujourd'hui, ça existe entre, dans, sur des clients de fintech. Euh, demain, euh, ou vraiment demain, dans quelques semaines, ça sera pour tous les clients des banques. Euh, un, une technologie qui permet d'avoir immédiatement l'argent quand on, quand on le vire. Voilà un exemple typique. Par exemple. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle technologie demain Qu'est-ce qui va arriver Est-ce qu'on va payer par exemple par Messenger, par la messagerie de, de Facebook demain euh, parce que là, c'est la première marche vers des paiements justement instantanés oui, vers alors, la banque en temps réel. Je dirais que Messenger, pour moi, 2019, c'est plutôt les placements. C'est-à-dire que Facebook proposera par Messenger de faire des, des placements, comme Amazon le propose déjà à des PME hein, avec Amazon Lending. Euh, ce que je vois plus particulièrement, c'est euh, l'arrivée de, de la blockchain sur l'Internet de la confiance. Et puis, euh, en même temps, euh, une, des, des nouveautés sur, euh, euh, en plus de l'Internet de la confiance, l'intelligence artificielle qui va permettre tant d'un côté au niveau bancaire de faire un conseil augmenté, mais aussi euh, de faire des propositions financières et bancaires plus immédiates et surtout plus adaptées. Ça veut dire aussi qu'on pourra aller plus vite dans toutes les transactions, c'est-à-dire plus d'IBAN par exemple. Euh... Dans oui, c'est un, un projet, oui. oui Liban devrait faire partie du passé assez rapidement, notamment avec le, le téléphone portable qui pourrait être simplement notre identifiant bancaire. Là, on comprend pourquoi, par exemple, Orange a développé Orange Bank, puisque en fait, il y, a, il y a de ce côté-là un vrai enjeu pour tout faire avec notre smartphone. Le, notre smartphone va être un centre de décision, va, va, être, va nous permettre d'être nous-mêmes des, des hommes augmentés euh, avec une connaissance universelle en portée de main. Ça veut dire qu'on va pouvoir virer de l'argent par SMS oui, on pourra virer de l'argent par SMS et puis de plus en plus avec les objets connectés, un objet, une montre ou autre chose, on pourra payer. Euh, certains le font même carrément avec une puce sous-cutanée. Alors Jean-Yves, depuis, c'est une vraie révolution euh, au niveau technologique, mais aussi évidemment pour vous dans le secteur. Euh, vous voyez des startups aujourd'hui qui proposent des, des, secteurs, enfin des, des frais bancaires qui sont quasi nuls, euh, qui viennent draguer les jeunes générations. Comment vous, dans les banques entre guillemets plus traditionnelles, vous adaptez à, à ce nouveau marché alors, on s'y adapte et j'aime beaucoup la réponse de, de Louis. Et, euh, Louis nous a fait une réponse qui n'est pas partie de la technologie. Elle est partie de, finalement de, des attentes des consommateurs et de l'usage qu'on peut faire des, des nouvelles technologies. Et en fait, euh, là-dessus, euh, finalement, ça fait euh, des siècles et des siècles que les, les attentes des, des consommateurs, et notamment de nos compatriotes, évoluent en matière, en matière bancaire. Et sur les toutes dernières années et les derniers mois, effectivement, on voit une accélération de, de ces attentes sur les moyens de paiement, bien sûr, euh, sur la sécurité euh, des données euh, également. Les banques sont dans, dans ce mouvement-là euh, et donc elles sont absolument pas inquiètes de l'arrivée des, des, des fintechs parce que euh, ça correspond finalement à un nouvel usage de la banque et donc ça stimule en fait nos services marketing, nos services commerciaux, nos services informatiques aussi et quand ce stimulus n'est pas assez, assez fort, quand on n'est pas assez rapide, ben on sait S'ouvrir euh, avec telle ou telle fintech qui a développé tel ou tel processus, qui a tel ou tel type euh, d'offre nouvelle. Et, voilà. et on sait collaborer avec elle, on sait partir de ce qu'elle a mis en place, on sait partir d'une idée et développer ensemble euh, un nouveau service. On sait parfois même les intégrer euh, dans, nos, dans nos grandes maisons, comme on dit. Mais Donc, depuis 2008, euh... il y a eu quand même pas mal de suppressions euh, d'emplois dans le secteur bancaire. Euh, c'est surtout des postes à non remplacer hein. mais il euh, y en a eu quand même beaucoup euh, on voit aussi le nombre d'agences physiques qui disparaissent comment euh, vous allez euh, est-ce que ce mouvement va continuer justement demain est-ce qu'on va euh, voir essentiellement des conseillers euh, par mail au téléphone euh, oui. et beaucoup moins d'agences physiques comment on va faire par exemple pour les personnes âgées qui ont parfois besoin d'aller euh, dans, dans l'agence physique qui serait euh, juste à côté de chez elles s'il y en a beaucoup moins oui alors ça ça, ça fait beaucoup de questions mais c'est vrai que euh, du coup euh, on a un tout petit peu revu nos, nos réseaux d'agences physiques, sincèrement. Si vous regardez les chiffres, ce n'est pas non plus une décrue colossale. On reste dans les grandes villes quand même avec des agences à quelques centaines de mètres les unes de les autres. Et puis effectivement, en monde rural, il faudra peut-être faire de temps en temps un peu plus de kilomètres pour avoir tel ou tel service bancaire si on veut se déplacer en agence. Mais justement, notre propos, c'est de dire que la consommation, entre guillemets, de la banque a changé et que de plus en plus, on ne viendra dans l'agence que... Pour euh, avoir un niveau de service très particulier, un niveau d'expertise tout à fait particulier. Et de plus en plus, nos concitoyens seront autonomes, en fait, avec les nouvelles technologies sur euh, ce qu'hier nécessitait un échange avec un conseiller et demain pourra se faire de façon autonome euh, via les nouvelles technologies sur Internet. Et on va centraliser sur des agences, justement, un peu référentes, des pôles de compétences. On en aura moins, mais on oui, va avoir, possible. a priori, plus de compétences. C'est possible. Et là, les, les différentes banques traditionnelles ont des ont des stratégies différentes, d'ailleurs, qui, qui qui ont toutes leur valence. Euh, oui, une spécialité sur une agence un peu plus structurée pour répondre aux professionnels, ça peut ça peut ça peut faire sens. Euh, oui, une agence qui serait juste à Talence, au sortir de l'université, qui serait plus spécialisée pour les jeunes, ça peut faire sens. Mais mais globalement, on reste tous quand même avec l'idée qu'on doit pouvoir accéder à la gamme des produits de pratique tous les points de vente. Voilà. Et lorsque l'expertise la plus pointue ne sera pas sur place, on sera aidé par les nouvelles technologies parce que peut-être que le conseiller extrêmement pointu, je ne sais pas, en, en gestion de patrimoine par exemple, euh, bah, il sera peut-être euh, en, en ligne avec nous euh, par Facebook ou, ou par, euh, par un système de Skype ou autre. Euh, Est-ce que ça veut dire de demain, avec ces nouvelles technologies, qu'on va payer moins cher Justement, nos frais bancaires ah, Ça, c'est une magnifique question. Moi, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, j'ai l'impression d'être euh, un, un constructeur de, de véhicules automobiles auquel on demanderait de, 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 de justifier le prix de chacune des bougies ou, ou chacun, de, chacun des connecteurs. On est une profession extrêmement régulée, euh, suivie de, de très très près, je vous le garantis. Et c'est vrai que euh, et nos prix sont, sont publics peuvent être challengés, ils le sont d'ailleurs régulièrement par la presse et par les associations de consommateurs. Euh, donc, euh, bien sûr qu'à chaque fois qu'une FinTech s'emparera ou même d'un concurrent traditionnel s'emparera de tel ou tel process et essaiera euh, de gagner en part de marché, d'exister euh, en, en, en fixant des prix plus bas parce que euh, il y aura peut-être moins de personnes en face et plus d'automatisation. Évidemment, sur l'ensemble du marché qui est globalement transparent, ça pourra faire une, une tendance à la baisse. Donc oui, bien sûr, pour des services très traditionnels, euh, il est probable qu'il y ait cette, cette pression, euh, pression à la baisse. Mais je vous garantis qu'on est déjà sur un secteur extrêmement raisonnable, extrêmement régulé. Parce est-ce que le modèle économique va être compliqué aussi pour les banques Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit bien que vous gagnez beaucoup moins d'argent sur les prêts immobiliers. Ouais. Il va falloir développer de nouvelles activités pour vous. Oui, bien sûr. Euh, d'ailleurs, il est compliqué pour les banques il est compliqué pour les nouveaux entrants, pour, pour les fintechs. Hein. Vous savez, avec euh, des taux qui sont euh, très, 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 très bas, euh, les banques qui euh, avaient sur ce sujet-là une source de, de revenus, y compris les fintechs d'ailleurs, ne l'ont plus, euh, plus tout à fait. Donc, euh, il y a obligation pour tous les acteurs, que ce soit euh, nous, Banque traditionnelles traditionnels ou les fintechs, de développer de nouveaux services euh, voilà nous on, on s'ouvre à l'assurance bien sûr euh, à la protection euh, des particuliers et des ménages et oui il y a effectivement une obligation d'aller chercher euh, une densité de relations encore plus forte euh, avec nos concitoyens et les, et les entreprises oui bien sûr mais ça c'est vrai dans tous les secteurs d'activité donc il y a beaucoup beaucoup de, euh, de concurrence mais beaucoup de, de sérénité aussi on est dans le mouvement Louis de Froissart, est-ce que les startups, justement, aujourd'hui, les fintechs, sont rentables Alors, Pas les, toutes, évidemment, les mais... Les fintechs ne euh... sont pas forcément toutes des startups, puisque certaines ont déjà ouais. plusieurs années. Il euh, y, y a plusieurs ch choses qui, que je voulais dire en, en réaction. Il y a... D'abord, il y a un avantage stratégique pour euh, les fintechs, c'est de partir d'une feuille blanche par rapport à une banque qui doit faire par rapport à un existant. C'est beaucoup plus facile quand on part d'une feuille blanche, notamment au niveau des systèmes d'information, euh, de faire quelque chose de, 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 de très euh, comment dire, adapté et, et de peu cher, alors que pour une banque, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle a tout son, de, tout son système qui est, qui est là. Ensuite, euh, je dirais que les banques ont montré ces dernières années, il euh, ne faut pas m'en vouloir, j'en yves beaucoup d'inventivité pour innover dans les nouveaux frais pour les secteurs où ils n'étaient pas trop en concurrence, c'est-à-dire les particuliers, les TPE, les PME. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conditions exceptionnelles pour les ETI et pas forcément toujours pour celles qui sont, qui sont moins en concurrence. Euh, ceci étant, je comprends qu'il y a une régulation qui est quelquefois à deux vitesses, euh, un peu plus favorable pour les fintech Et quand on est interrogé euh, par le, le CB euh, au niveau européen, euh, ils ont tendance à être plus coulant avec les fintechs, avec les banques, donc elles ont des contraintes supérieures. Au niveau, je réponds à la question de la rentabilité. On trouve dans tous les secteurs des gens qui commencent en disant mon business sera rentable dès le départ. Et je peux vous donner, dans n'importe quelle branche fintech, des gens qui sont rentables. Et je peux vous donner les champions du cash burning. Il est évident, quand on a une croissance comme Revolut ou une croissance comme N26, on, on brûle énormément de cash. Revolut, qui vient de lever euh, 250 millions de 250 dollars. 250 millions, c'est quand même énorme. Hein. Il est évident que... Oui, mais ce sont des gens qui sont capables d'acquérir euh, en 6 mois un million de clients, voire, voire plus. Donc... Euh, donc donc, on trouve des gens qui, qui ac accaparent de la part de marché, c'est très anglo-saxon, typiquement anglo-saxon. Et en même temps, je peux vous montrer des fintechs qui, depuis plusieurs années, ont toujours équilibré leurs comptes, ou en tout cas, toujours tâché de les équilibrer, voire même étaient capables de faire du cash flow positif et même du résultat. Je peux vous en citer en Allemagne, en France, par exemple. Jean-Yves Dupuis, par rapport à, à ces critiques justement, sur les, les nouveaux frais, euh, sur, les, sur les marchés justement, qu'évoquait euh, Louis de Froissart, qu'est-ce que vous répondez Louis ah, a raison, c'est vrai que l'arrivée de nouveaux, nouvelles structures sur le marché stimule notre créativité sur, sur les frais, bien sûr. Et en ça, c'est un bien en, en tant que concitoyens enfin pour nos concitoyens c'est un bien effectivement euh, maintenant c'est vrai que les, les structures qui arrivent avec des, des niveaux de prix pour prendre des parts de marché ont un mal fou à revenir à la rentabilité enfin moi j'en connais pas tant que ça finalement qui, qui qui arrive à en vivre et à bien en vivre et surtout en vivre suffisamment pour pouvoir se développer et c'est pour ça que dans cette espèce d'opposition qui avait un petit peu stérile auparavant entre la banque traditionnelle et la fintech on est en train de comprendre que finalement la stratégie d'alliance a beaucoup plus de valeur. Euh, la bonne idée, la façon de revisiter le process, la façon de revoir la gamme des prix et la structure, la capacité euh, à traiter ces problèmes-là, qui sont complexes, hein, parce que dès qu'on introduit des notions de, de risque, euh, de, de conformité, etc., ça coûte une fortune à tout le monde et donc aussi au, au fintech. Et donc, on a compris qu'on devait tous s'engager dans une stratégie d'alliance. Euh, une puissance installée, qui est la banque traditionnelle, voilà, euh, avec euh, une capacité à aller plus vite, plus fort, plus haut, euh, avec des structures effectivement plus agiles qui partent en général d'une page blanche. Et on se développe. Toutes les banques se développent de plus en plus dans ce qu'on appelle l'open banking. Donc la capacité à côté d'un système d'information qui effectivement a ce poids de l'histoire, à comment dire, à greffer euh, des modules qui eux viennent euh, dynamiser euh, en tout cas la partie que voit le client. Et ça, c'est une grande force. Louis de Froissard, comment vous voyez évoluer le marché, vous, sur les prochaines années, les toutes prochaines années, d'ici 2-3 ans En fait, on n'a pas. Avoir cette relation de... avec on, les banques, justement. On peut avoir la, 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 la vision de Stéphane Malard qui dit qu'aujourd'hui. Euh... Les, les banques sont les futurs Kodak euh, de, 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 du secteur, puisque Kodak n'a pas su voir venir la, la disruption et donc s'est fait complètement disrupter. Aujourd'hui, euh, mon, 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 mon propos est un peu plus nuancé parce que je pense qu'il y a malheureusement des banques qui ne vont pas survivre, de toute façon, celles qui n'auront pas su s'adapter euh, raisonnablement. Et puis, il y a celles qui, ont, qui vont réussir le très difficile équilibre. Euh, Jean-Marc Vittori l'a a souvent, euh, souvent dit, tant à Vivatech que sur notre scène. C'est très compliqué pour une banque d'intégrer une fintech. Oui parce qu'on euh, est sur deux histoires qui sont différentes, et il faut pouvoir laisser cette liberté. Donc je crois beaucoup plus, moi, à l'alliance de FinTech, comme il est en train de se passer autour de Conto, Conto euh, dont on entendra sûrement parler, qui vient de lever 20 millions. Euh, il y a une véritable stratégie aussi, entre, pour les FinTech, de s'allier en, ensemble et de proposer des cas d'usage. Donc je, moi, à court terme, je vois deux choses. Je vois, la, la banque est une puissance financière qui pourra acquérir soit des technologies, soit des idées qui sont intéressantes pour les intégrer, mais attention, c'est très compliqué à intégrer, et et puis de l'autre côté, on voit un, nouveau, un nouvel écosystème qui est en train de se lancer avec des agrégations de services. Plusieurs fintechs spécialistes vont commencer à agréger un service. Et donc là, on va se commencer à avoir la banque qui va être attaquée sur plusieurs sources de marge euh, par ces alliances-là. Euh, je regarde beaucoup, je regarde avec beaucoup d'attention euh, Conto en ce moment parce que et je trouve qu'il y a une stratégie qui est euh, assez euh, bien pensée euh, dans, ce, dans ce développement qui s'adresse, Conto s'adresse au TPE, PME. Jean-Yves Dupuis, en quelques mots, comment oui, vous voyez l'avenir C'est effectivement un mouvement que, que, que l'on sent, hein, ce que les anglo-saxons appellent The Bank as a Platform, la banque comme une plateforme, en fait, de services avec des, des stratégies d'alliance. Alors, soit effectivement centré autour d'une banque traditionnelle avec euh, des startups qu'il est effectivement difficile d'intégrer en gardant le même niveau de créativité, c'est vraiment ça l'enjeu, le, ça euh, ou alors effectivement des, des, des alliances entre, entre fintechs moi l'évolution de la banque je la vois euh, quand même dans une certaine dans une certaine continuité là où aujourd'hui une famille a une banque principale et puis euh, d'autres banques en général traditionnelles autour on aura plus, effectivement probablement euh, des familles ou des entreprises qui auront plusieurs types de banques euh, il y aura probablement quand même un noyau central autour d'une euh, banque qui détient euh, je dirais le patrimoine le plus intime de la famille par exemple euh, les données financières mais également la stratégie du père de la mère de famille des enfants etc ça, le tiers de confiance, durablement, à mon avis, ce sera quand même une banque installée euh, à laquelle, pour laquelle, il n'y a, a pas de sujet de, de conformité et de, et de risque. Et puis, autour, sur des services, viendront d'autres types de banques. Et ça, c'est bien, c'est parfait, parce que ça viendra enrichir la façon dont nos, dont nos concitoyens consomment la banque. Merci pour votre décryptage à tous les deux. La semaine prochaine, on va parler des assurances avec le PDG de la Matmut et bien sûr Mameur sur TV7. À très vite. Besoin d'impressions publicitaires de petits et grands formats. Ne perdez plus votre temps à chercher la meilleure offre. Comme des milliers de clients, connectez-vous sur Imprimerie Européenne, la référence qualité-prix de l'impression publicitaire.